Donc au final, bon certes, nous restons bénéficiaires, mais ce n'est pas ouf. C'est incroyable ça. Salut à tous les amis Stom, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel épisode d'Evenia mes amis. Et comme vous le voyez, je suis au-dessus de l'entrée du spawner qui se trouve un petit peu par là je crois. Et je viens de découvrir cette espèce de monticule de terre voilà qui descend jusque dans le boteau là voilà. Je ne sais pas qui a fait ça, ça n'a aucun sens. Enfin du coup mes amis, pour cet épisode 2 nous avons un programme plutôt chargé et je tiens juste à vous dire que voilà, l'Erog n'est pas là. What? Pardon? L'Erog ne sera pas là pour cet épisode. Et oui forcément puisque là bon bah il est sur le trajet du retour voilà. Et surtout aujourd'hui mes amis, il n'y a vraiment pas grand monde sur Evenia, hein. Comme vous le voyez, nous sommes trois pour l'instant, je sais pas pourquoi. Alors mes amis, du coup que... C'est vrai que ça attire les poissons ça. Faudrait qu'on mette un hopper là-dessous parce que franchement il y a plein de poissons qui arrêtent pas de tomber. Du coup pourquoi je viens au spawner mes amis? Eh bien tout simplement puisque maintenant nous avons du mending à foison. Regardez-moi cette chose-là. Regardez, est-ce que c'est pas incroyable? Alors pour l'instant c'est un stuff temporaire. Alors pourquoi vous allez me dire c'est quand même plutôt pas mal comme stuff temporaire, tu t'es pas fait chier. Ah non c'est sûr en effet, mais en fait ce stuff est assez particulier puisque tout simplement je n'ai utilisé que des livres pour le faire. En gros le principe c'est que je combine plusieurs livres avec plusieurs enchantements en un seul livre et je l'ajoute sur l'armure. Comme ça l'enclume n'affiche pas tout expensive parce que c'est vraiment le gros problème de ce genre d'enclume. Vous allez me dire bah le stuff parfait c'est mending Drake 3 et P4 voilà bon bah c'est simple. Et bien mes amis pas en 1.14.2 puisque mes amis en 1.14.2 et c'est aussi la raison principale pour laquelle nous ne sommes pas encore passés en 1.3, nous pouvons faire des stuffs extrêmement cheatés dans l'enclume. Ce bug entre guillemets a déjà été réglé dans la version 1.3 mais nous pouvons en fait encore en 1.2 ajouter par exemple fire protection, blast protection, tout ça en même temps que protection tout court. Et du coup mes amis ça fait des sets d'armure extrêmement cheaté. Par exemple, on résiste aux creepers presque à l'infini, ou pareil à la lave et tout, même aux flèches, hein, voilà, quand on a projectile protection. Tout ça, bien évidemment, en gardant protection 4, tout simplement. Donc voilà, ça fait des stuffs très très cheatés. Mais pour ne pas tomber dans le tout expensive grâce à l'enclume, qui je vous rappelle est à peu près le niveau 40, eh bien il faut faire très attention et mettre les livres dans un ordre très précis sur le stuff. Donc voilà, pour l'instant, j'ai juste fait ça le temps bah, qu'on aille faire le dragon. Et puis un petit peu après, je pense, dans une semaine ou deux, je me ferai vraiment un stuff, voilà, qui nous durera à peu près toute la saison. Je pense qu'on va pas encore rester très longtemps en 1.14.2, mais ça ne serait tardé, voilà, le passage à la point 3. Il faut juste que tout le monde fasse son stuff et après on est good. Et donc, comme vous le voyez, mes amis, je me suis fait aussi des trucs assez sympathiques. Voilà, bon, je nomme mes outils avec des emotes, voilà, je trouve ça sympa. Et du coup, voilà, ma petite pioche Hiltosh, ma petite pioche efficiency. Au niveau des outils, je suis presque parfait, très honnêtement. En fait, ce qui me manque là, c'est juste un arc. Mais ne vous inquiétez pas, puisque voilà, comme vous voyez dans ce coffre, on a de quoi faire. Et d'ailleurs, techniquement, voilà, ce qu'il y a avec mon arc, c'est sa power 4 flame infinity. Alors, je pense pas que je vais mettre infinity parce qu'avec infinity, on peut pas mettre mending. Et c'est complètement con, je trouve. Mais enfin, voilà, c'est très triste. Bah, du coup, là, ce que je viens faire, c'est que je viens réparer mon stuff. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève mon stuff quand je répare avec mending. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai mending sur les pièces d'armure, j'ai l'impression que ça consomme l'XP dans bah, le mending, même si le truc est full. Mais du coup, ça ne répare pas, c'est complètement con. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un outil dans ma main, je donne un petit coup d'épée comme ça. Bon, bien sûr, on se claque les oreilles à chaque fois. Et voilà. Voilà, et on peut bien tout réparer. Voilà. Bah, la pelle. Bon, bah, j'ai oublié la pelle. Donc, voilà, c'est vraiment plutôt utile. En plus, ce petit spawner, voilà, ça nous sert surtout à faire ça. Alors, oui, j'ai un bug. Je sais pas pourquoi, mais il faut juste que je redémarre mon jeu à chaque fois, mais des fois ça me fait ça, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà, le spawner, pour tout vous dire, a plutôt bien fonctionné. En termes de place, voilà, on commence à être dans la merde. Et voilà, faut commencer à virer quelques loot des hoppers parce que bon, là, ça commence à être la merde. Du coup, les amis, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, mais aussi dans le premier épisode, nous allons bientôt faire le dragon. Ah, parce que bon, pour tout vous dire, bon, ça fait longtemps qu'on l'a prévu, mais il serait vraiment temps que ça arrive assez rapidement parce que bon, en termes de déplacement de stuff, voilà, on commence à vouloir déplacer de gros trucs. Et sans les shulker box, bah, ça commence vite à être chiant. Du coup, mes amis, comme nous l'avions prévu depuis le début, bah, tout simplement, l'ouverture du portail de l'Aine se fera tout simplement le vendredi 19 à 21h en live sur cette chaîne. Aussi probablement en live sur d'autres chaînes de d'autres participants. Voilà, de toute façon, vous avez les liens en description. D'ailleurs, juste avant de vous parler des autres progrès que j'ai fait sur ce petit serveur, j'aimerais bah, tout simplement en vous parlant des autres participants, de vous parler d'un channel que j'ai fait sur mon Discord abonné. C'est un channel que vous trouverez dans la catégorie vidéo qui s'appelle Evenia et tout simplement qui permet aux membres d'Evenia de poster bah, les vidéos ou les lives qu'ils effectuent sur le serveur. Donc si vous n'avez pas envie d'être abonné à tout le monde, mais quand même de voir des points de vue de temps en temps, allez checker ce channel et regardez, il y a déjà pas mal de membres qui sont déjà limite à l'épisode 3 au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres avancées autres que mon point de vue, n'hésitez pas à aller checker leur vidéo. Alors du coup mes amis, ce dragon, qu'est-ce que ça signifie? Et bien normalement si vous avez vu l'épisode 1, vous savez à peu près, mais tout simplement l'ouverture de ce portail de l'End et bah tout simplement le fait de finir le dragon va nous autoriser à aller plus loin que le spawn. Puisque ceux qui sont sur la chaîne depuis pas mal de temps le savent, mais sur Evenia saison 1, tout le monde construisait au spawn. Sur Evenia saison 2,
personne n'a construit au spawn et tout le monde a construit à des emplacements plus loin sur la map, eh bien on s'est dit que pour cette saison 3, nous allions faire un mix des deux. Et tout simplement, bah, ce qu'on a fait, c'est que les deux premières semaines, donc avant l'ouverture du portail de l'aide, nous avons dit aux membres de construire leur construction au spawn. Voilà, donc personne n'était autorisé à faire de grosses constructions à son futur emplacement. Et du coup, après l'ouverture du portail de l'aide, eh bien tout le monde aura le droit d'aller construire un petit peu plus loin. Du coup, je trouve que c'est cool parce que comme vous voyez, eh bien ça nous fait un spawn qui avance plutôt bien. Vous voyez, on a la grande pagode ici. Là, on a la muraille de The Geek et Jimmy. Ici, on a... je m'en fous, on sait pas ce qu'ils font. Ici, on a Caracalla et Seven Deadcraft qui font des trucs cool. Avec juste ici, bah, nous avons Baba et Mi'kmaq. Bon, je crois qu'ils sont plus trop actifs maintenant. Bah, je crois d'ailleurs que Mi'kmaq est en vacances. Ici, nous avons Oxo. Et ici, nous avons tout simplement la team des Québécois. D'ailleurs, il y en a un qui est connecté actuellement. Et puis bon, après, il y a d'autres gens par ici. Mais voilà, ici, vous reconnaissez, voilà, c'est chez nous. Ah oui, je pense que vous êtes pas trop au courant. Mais ça, de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard. Sachez aussi, mes amis, qu'avec les rogues, nous avons donc prévu de, bah, tout simplement, pour sa chaîne YouTube, bien évidemment, de faire des chemins tout autour de ce spawn. Comme vous voyez ici, c'est un petit peu compliqué pour passer, mais nous allons, voilà, nous avons fait un petit tunnel, si je vous lis. En fait, le but, c'est de faire comme sur notre serveur test qu'il y avait avant Evenia. Voilà, on avait fait un petit serveur créa pour faire des tests de construction. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un grand chemin, voilà, qui fait tout le tour du spawn. Donc voilà, qui passerait ici, qui passerait à côté de la mairie. Là, il y aurait un pont, il y aurait un autre pont là, et puis il y aurait même carrément un pont ici. Enfin voilà, on ferait un joli chemin, voilà, pour nous éviter, voilà, de nager comme des cons, comme ici. Enfin voilà, ça devrait normalement arriver sur la chaîne de l'Eroc très bientôt. Maintenant, mes amis, je vais vous emmener dans un endroit extrêmement sympathique. Bon, bien sûr, optimisation du temps, nous passons par le Nether parce que c'est quand même un petit peu plus fun. Et mes amis, je vous présente le village. Tintintin. Bon, mes amis, bienvenue dans cet endroit que vous n'avez jamais vu encore sur ma chaîne, puisque c'est tout simplement un village que nous avons, bah tout simplement, on va dire on l'a un petit peu annexé, hein. Vous voyez, il n'y a plus aucun villageois dedans, et puis ça, bon, tu me diras, ça ressemble plus vraiment à un village, hein, il reste 2-3 maisons, mais bon, sans plus, hein. Et en fait, mes amis, nous avons fait ça pas très loin de notre futur emplacement. Alors, rappelez-vous des règles, bien sûr, on n'a pas le droit de faire notre base, mais si par exemple, on veut aménager un petit village comme ça, on a le droit, hein. C'est juste, voilà, que personne ne fasse de grosses constructions et commence à faire sa petite vie ailleurs. Là, voilà, c'est juste question pratique. Comme vous voyez, nous sommes plutôt bien installés avec les rogues. Oui. Je vais vous parler de ça juste après, mais avant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Alors comme vous voyez, nous avons un stuff extrêmement pété, et je pense que vous l'avez un petit peu deviné. Nous nous sommes mis à fermer des villages veilles. Nous avons fait juste ici un reproducteur à villageois, mes amis. Alors c'est un reproducteur qui n'est pas du tout efficace, et qui est bah, plutôt simple à construire, on va pas se le cacher. Et ce reproducteur à villageois, il utilise tout simplement des farmers, et puis des bébés qui vont courir là-dedans. Et après, une fois dans cette espèce de gros tuyau, ils vont être transportés 64 blocs plus loin pour sortir bah, de la zone de ces villageois. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, de temps en temps, il y a des problèmes, c'est-à-dire que le PNJ qui est censé aller là-dedans quand il est petit, bah des fois, il grandit ici, et puis du coup, bah ça enraye un peu la machine. Sachant qu'il doit y en avoir que 4 pour que ça fonctionne, même si des fois, ça fonctionne quand même. Enfin, c'est quand même vraiment très bizarre comme machine. Hein. J'ai pas tout compris, hein. Voilà, soyons clairs, mais le truc que j'ai compris, c'est que les villageois, vous voyez, il y a 4 villageois, et il y a 6 lits. Et bien tout simplement, ça fait 2 couples et un enfant. Voilà, donc c'est-à-dire que les villageois, ils ont besoin de sentir qu'il y a leur lit à côté d'eux, mais aussi le lit de leur futur enfant pour faire un enfant. Donc voilà, leur instinct de parent parle, bah, enfin, parle. Et du coup, ça nous donne un reproducteur à villageois. Et voilà, d'ailleurs, c'est ça le chemin pour tout simplement les extraire quand il y en a trop, hein, voilà, en évitant de les tuer. Parce que voilà, les fermeurs, ils ont quand même des trades un petit peu utiles, voilà, donc je les emmène, bon, là-dedans. Bon, pour qu'ils refillent leur trade, ah oui, alors ça, c'est un nouveau truc aussi. Maintenant, les villageois, pour restocker leur trade, ils ont besoin tout simplement d'avoir leur bloc de métier à côté, donc le composteur ici. Ah oui, parce que maintenant, vous pouvez changer le métier des villageois, voilà, c'est extrêmement cool. C'est pour ça que des fois, on trouve des villageois qui n'ont rien, qui n'ont pas de profession, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bloc de profession à côté d'eux. D'ailleurs, voici la liste des blocs de profession que je vous affiche, voilà, donc bon, c'est voilà, c'est plutôt fun. Donc comme vous voyez, bah, ces villageois quand même, on s'en sert, voilà, pour échanger 2-3 trucs, mais pour qu'ils restock leur trade, donc quand les trades sont bloqués, donc là je crois qu'ils les ont tous restock, ouais c'est ça, ici ils ont tous restock leur trade, tout simplement parce qu'ils ont leur composteur. Mais si je vais juste dans cette petite cage qui est juste ici, vous allez voir que nous allons tomber, donc bon, déjà il y a un villageois qui n'a pas encore de profession, vous voyez, ça donne ça, et puis vous voyez, on peut pas trade avec lui, hoche la tête. Par contre, ceux-là du coup qui s'était linké au composteur qui était là-bas, eh bien on peut bien les ouvrir, mais comme vous voyez, eh bien ils sont tout simplement avec une petite croix. Si par exemple je vais acheter quelque chose, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et comme me le dit bah, tout simplement cette petite annotation, villagers restock up to 2 times per day. Ce qui signifie que le matin et le soir, les villageois vont restocker leur trade. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose d'assez dingue. Mais pour vous parler de ça, j'ai besoin tout simplement de ce qu'on appelle la DIN map.
Mes amis, bienvenue sur la DinMap. DinMap qui est un plugin à intégrer sur votre serveur et qui va pouvoir vous permettre, comme vous le voyez, de générer une map avec eh bien, les participants qui s'affichent en direct. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs cool. Hein. Regardez, vous voyez, je peux envoyer un message dans le chat. Je peux me balader entre les dimensions. Voilà, je peux aller voir les joueurs. Je peux même faire un rendu 3D de la map. Regardez comme c'est stylé. Et comme vous voyez, là, il y a marqué Imotech, il y a ma vie et tout. Et vous voyez, eh bien, la map est juste ici. Vous voyez, le village s'est généré. Et c'est vraiment cool comme plugin parce que ça nous permet de faire pas mal de choses et notamment de voir comment tout avance. Et comme vous voyez ici, eh bien, c'est le spawn. Donc voilà, avec les constructions sympathiques comme je vous ai montré. Donc on a Fallen qui est chez lui, on a même, je m'en foutre ici. La pagode, le spawn aussi qui est marqué juste ici. Et puis bah, chez Zor Eclipse, chez nous, enfin bref, vous reconnaissez. Et du coup, c'est un truc qui est vraiment pratique parce qu'on peut savoir où sont les gens, mais surtout, voilà, on peut voir les constructions, ça nous permet de faire des trucs plutôt fun. Et du coup, surtout, ce qui est très pratique, c'est que mes amis, avec cette DinMap, regardez ce qu'il y a juste ici. Il y a l'heure en direct du jeu. Ça, mes amis, c'est extrêmement utile, surtout avec les villageois. Alors déjà, pour savoir à quoi ceci sert, vous devrez comprendre un petit peu comment il fonctionne maintenant en 1.14. Parce que mes amis, comme vous devez le savoir, mais grâce à la Village and Pillage Update, les villageois ont complètement changé. Donc forcément, il y a tous les trucs que je viens de vous dire, voilà, avec les changements, machin, le composteur, machin, bah, vous avez bien compris. Mais surtout, maintenant, c'est assez particulier puisque les villageois peuvent uniquement changer de métier. Donc quand on change, vous savez, leur workbench à côté, ils peuvent uniquement changer de métier entre 8h du matin et 15h. Oui, ce sont leurs heures de travail. Et oui, ce sont d'énormes flemmards hein, pour s'arrêter à bosser à 15h. Vraiment, les gars, franchement... Mais enfin, bref, déjà, c'est assez chiant parce que bah, ça veut dire que c'est limité si vous voulez changer leur métier. Si vous leur changez de métier en dehors de leurs heures d'activité, eh bien, des fois, ça bug à moitié, donc vaut mieux pas le faire. Hein. Ah, je sais de quoi je parle, hein, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait, cette merde. Enfin, bref, sachez qu'une heure dans le jeu correspond à 2000 tics. Bah, ce qui est encore mieux, c'est que du coup, nous, la DinMap, elle nous affiche pas l'heure en tics, mais elle nous affiche l'heure bah, en heure. Du coup, 1000 tics correspond à une minute dans la vraie vie, ce qui nous fait des journées un petit peu bizarres. Mais du coup, grâce à la DinMap tout le temps ouverte, je peux savoir exactement quand est-ce que je peux refill mes villageois. D'ailleurs, je vais en profiter pour dormir. Donc voilà, vous voyez pas la DinMap, mais quand on vient de dormir, eh bien, l'heure se set à 6h. Voilà, c'est exactement 6h. Et nous pouvons dormir à partir de 18h30. Bien sûr, tout ça selon la DinMap. Du coup, les villageois ont encore 2h avant de pouvoir changer leur trade une fois que vous dormez dans votre lit. Voilà, donc c'est extrêmement bizarre, mais bref, c'est la nouvelle mécanique des villageois. Du coup, moi, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est faut que j'amène des composteur pour tout simplement que les villageois puissent refill leur trade, puisque forcément, s'ils n'ont pas de workstation à côté d'eux, ils ne refileront pas leur trade. Voilà, comme vous le voyez, bon bah, voilà, lui il a pas restock, mais bon, il y en a d'autres, c'est un peu plus obvious. Par exemple, celui-là, voilà. Alors que ceux qui sont là-bas, eh bien, eux, à chaque fois, ils n'arrêtent pas de restock leur trade, puisqu'ils ont leur composteur attitré. Mais bon, les amis, assez de parler de tout ça, maintenant je vais vous montrer les fameux villageois, et l'entrée se situe juste ici. Et donc, voici mes amis, l'antre des PNJ. Alors, comme vous voyez, notre PNJ préféré, c'est quand même le Mending qui est juste ici. Et comme vous voyez, il est encore 64 blocs plus loin que tous ses camarades. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à côté de lui, je laisse en permanence une workstation. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez avec l'image, mais je laisse tout simplement un lectern. Bon, je vais pas le poser parce que sinon ils vont faire de la merde avec leur profession, mais je laisse un lectern à côté de ce villageois en permanence pour qu'il puisse refill ses trades. Vous allez me dire, bah pourquoi tu l'as pas laissé ici? Le problème, c'est quand j'apporte de nouveaux villageois qui n'ont pas encore de profession, c'est con, ils se linkent au lectern du mending. Et du coup, je ne peux pas laisser de table de profession devant les villageois pour qu'ils se refillent chaque fois. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que bah, quand il y en a un qui est bloqué et que je veux quand même ses trades, par exemple, voilà, l'unbreaking 3, bon, bah, nous, on s'en fout, hein, parce qu'on a meilleur unbreaking, mais je suis obligé, bah, du coup, d'arrêter de tout simplement ramener des villageois, bah, voilà, qui n'ont pas encore de profession, et de faire restock ce villageois. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, bref, c'est la mécanique des PNJ. Du coup, comme vous voyez, on a des prix plutôt sympathiques, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les villageois, quand on trade beaucoup de bouquins avec eux, nous font une jolie ristourne. Et quand je vous dis ça, c'est que de base, ce mending qui est marqué pour 7, de base, il était à 10. Il me semble. Regardez cet incroyable villageois. Bon, j'ai mis aussi un lit à côté au cas où. Enfin, j'en sais rien. Bref, j'essaye de faire fonctionner la mécanique des PNJ. Mais comme vous voyez, de base, le mending était à 10 et maintenant il me le fait à 5. Et oui, oui, c'est très rentable pour moi. Surtout que c'est encore plus rentable que ce que vous pensez, puisque ces bouquins mending ou même d'autres bouquins, eh bien, nous les vendons avec les rogues. Et regardez même la petite annonce que nous avons postée sur Discord avec les prix. Alors vous allez me dire, tu te fais des couilles en or là-dessus, parce que vu le prix des pumpkins et des melons avec tes PNJ, et vu que ton mending ne te prend que 5 émeraudes par mending, là tu te fais vraiment des sacrés couilles en or, mon con. Et théoriquement, vous n'auriez pas tort. Mais le problème, c'est que comme je vous dis, les villageois doivent restock et ils le font pas tout le temps. Du coup, c'est extrêmement chiant de devoir écouler, par exemple, je sais pas, un double coffre de pumpkin, comme nous l'avons fait avec quelqu'un qui nous a commandé 13 mending d'un coup, puisque bah, à chaque fois, bah, ils doivent restock leur trade, du coup, ça prend pas mal de temps. Donc au final, bon, certes, nous restons bénéficiaires, mais ce n'est pas ouf.
C'est incroyable ça. Alors la technique pour pas avoir bas domaine, parce que forcément quand vous tuez les pillagers, forcément vous avez un effet à la con, et ils provoquent un raid dans votre village. Voilà, on va éviter de raider les villageois mending. Du coup, faut pas que ce soit moi qui le tue. Du coup, je les tue avec de la lave. Regardez, allez, venez les cons. Voilà, et là, comme ça, je ne choperai pas l'effet bas domaine. Voilà, c'est la petite astuce, hein, si vous voulez tuer des pillagers sans avoir l'effet bas domaine et pas avoir de raid après, et bien voilà, vous faites avec un petit saut de lave. Bon du coup, ce que je disais, c'est que ça reste plutôt bénéficiaire pour nous. Et en fait, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens tout simplement de nous poser le paiement dans un coffre qui est chez nous au spawn et de nous indiquer ce qu'ils veulent dans un petit livre. D'ailleurs, je vais faire parler Imhotep du passé sur ce point. Ah, salut, c'est Imhotep du passé. Oui, alors, c'est extrêmement bizarre, mais du coup, vu que j'avais la flemme de refaire le chemin en sens inverse, et bien tout simplement, téléportation ici. Donc, comme vous voyez ici, on a le petit livre de commande et ici, là où les gens déposent le stuff. Voilà, on l'a juste mis ici et puis, les gens peuvent venir faire leur commande comme je viens de vous le dire. Bon, du coup, attendez, Imhotep du futur, s'il te plaît, reprends la vidéo. C'est ce genre de séquence extrêmement fun. Du coup, voilà mes amis, à peu près ce que j'ai réalisé en off. Voilà, depuis le dernier épisode, je pense que c'est quelque chose d'assez cool. Et d'ailleurs, mes amis, si le contenu que vous regardez vous plaît, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, maintenant dans la vidéo. Voilà, si ça vous plaît, ça peut toujours faire plaisir. Et si vous en voulez plus, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est un épisode à peu près tous les mercredis. Ouais, je dis bien à peu près parce que des fois je suis en retard, PTDR. Du coup, voilà, c'est ce que vous regardez vous plaît. Petit pouce bleu, abonnement. Et même si vous avez de l'argent à perdre, ce qui m'étonnerait fortement, vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton pour soutenir. Voilà, vous avez des avantages assez incroyables en tant que sponsor. Voilà, je vous laisse cliquer dessus rien que pour regarder là si vous avez envie. Voilà, comme ça, bon, c'est dit, c'est fait. Et bien maintenant, mes amis, nous allons nous préparer tout simplement à vendredi. Puisque vendredi, je vous l'ai dit juste avant, nous allons faire le dragon. Il va falloir qu'on commence un petit peu à se préparer pour commencer ce dragon. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je sais déjà où se situe le stronghold. Donc forcément pas avec des yeux d'Under Dragon, mais tout simplement parce que le stronghold, il me semble bien que c'est par rapport à la seed de la map. Et du coup, forcément, tout le monde a accès à la seed de Devenia saison 3. Du coup, eh bien, tout le monde sait à peu près où il est le stronghold. Voilà, tu vas en créa, tu fais slash locate, et puis voilà, t'as les coordonnées du stronghold. Bon, c'est un petit peu triste, ça fait pas trop survie, mais bon, voilà, ça nous évite de chercher pour rien, quoi. Du coup, mes amis, je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller chercher un petit peu d'obsidienne, et nous allons faire un portail du Nether là-bas, et commencer à préparer ce dragon.
On y est, les gars. Bon. Alors, bon, ça a su durer pas mal de temps. On va pas se le cacher, hein, cette petite escapade dans le Nether. Mais ça y est, c'est fait. Donc, bon, bah, comme vous venez de le voir dans la vidéo, du coup, on a spawner de l'équipe City Cook Alex et tout. Et puis, bah, forcément, le Stronghold. Donc, bon, bah, c'était à peu près au même endroit. Du coup, bah, j'ai gardé le chemin existant. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire comme un gentil garçon, c'est que je vais placer des trappes ici. Alors, normalement, c'était pour mon chemin, pour le PNJ. Mais bon, allez, vous savez quoi? Je suis Clément. Je suis gentil, nous allons dire. Même si, bien entendu, je ne m'appelle pas Clément. Et bon, j'arrive presque à la fin, mais bon, voilà, nous arrivons ici, puis forcément, bah, this way. Et je leur ai même fait un petit chemin en plus pour aller jusqu'à leur portail, hein. Qu'est-ce que c'est gentil. Là, je me rends compte que l'armure est méga bright par rapport au reste du Nether. Ah, c'est peut-être parce que je tiens une torche, non? Ah ouais, voilà, c'était pour ça. Je vous présente le Dynamic Light. Voilà, c'est très sympathique. Comme vous l'entendez, mais d'ailleurs sûrement, j'ai la voix du matin, parce que oui, je ne suis pas capable de faire une vidéo en une journée, surtout du Minecraft. Mais enfin, quoi qu'il arrive, nous arrivons juste ici, comme vous voyez, nous popons ce portail, et ça nous emmène tout droit vers l'end, voilà. Donc apparemment, comme vous l'avez vu, bah, quelqu'un l'avait déjà découvert. Bon, bah voilà. Bon, par contre, ce qui fait vraiment chier, c'est qu'on va avoir besoin de tous les yeux. Il n'y en a vraiment aucun de placé. Ah oui, et puis, j'aimerais revenir sur une petite chose. Je ne sais pas qui chez Mojang a développé la jungle, mais comme vous l'avez vu sur ce record, et même vous ne l'avez pas vu, mais sur le reste des records que j'ai fait dans la jungle, c'est une horreur de lag. Voilà, un codage en surcharge, voilà, ça fait bugger. Voilà, c'est la jungle au-dessus qui fait bugger, qui fait complètement bugger mon PC. Regardez ce petit screenshot, à peu près, voilà. Je rappelle, j'ai un i7-7700K, donc c'est un processeur à 4,2 GHz. Sachant que Minecraft est un jeu qui utilise principalement le monocore, c'est censé être le meilleur processeur possible pour jouer à Minecraft. Sachant que je crois que c'est le meilleur processeur qui ait une base clock aussi énorme chez Intel pour l'instant. Et la jungle arrive quand même à le faire saturer à 100%, et vu que bah, j'utilise OBS avec mon processeur, et bah, ça fait des quelques lags en plus, voilà, c'est bien chiant pour les records. Alors vous allez me dire d'utiliser ma carte graphique avec OBS pour faire l'enregistrement. Ouais, techniquement je pourrais, mais en fait ce que je vais faire, c'est pour le prochain épisode, je vais faire des tests simplement parce que l'encodeur Nvidia n'est pas le même que l'encodeur logique processeur, et je vais voir lequel résulte en la meilleure qualité. Voilà, moi je pensais vraiment que le processeur résultait sur une meilleure qualité de vidéo. Donc écoutez, je vais faire quelques tests avec l'encodeur carte graphique et puis l'encodeur processeur, et puis vous aurez les résultats dans le prochain épisode. Donc voilà, là, ce que vous avez pas vu, c'est que bah, du coup, quand j'arrivais dans la jungle, bon, bah, je vous passe le record que j'avais coupé, bah, OBS freeze, ça fait friser complètement le record, quoi. Le CPU est à 100%, et puis ça ne veut pas fonctionner. Mais dans tous les cas, même si je prenais l'encodeur Nvidia, la carte graphique aussi est mise à 100%. Donc, ouais, je sais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir rec correctement dans la jungle en 1.14. Peut-être avoir le dernier i9 et le dernier RTX, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas dans mon budget. Mais enfin, quoi qu'il arrive, bon, bah, comme vous l'avez vu, j'ai dû recommencer parce que, bah, bon, le portail est linké à celui du spawner de Rekips qui est pas très loin, qui est à quoi, 300 blocs, un truc comme ça. Donc, voilà, j'ai dû relinker les portails, mais bon, voilà, ce fut fun, nous allons dire. Enfin, voilà, les amis, c'est la fin donc de cet épisode. N'oubliez pas que si ce que vous avez vu vous a plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et le mieux, ce serait de me mettre un commentaire, parce que franchement, je les lis tous, et ça me fait vraiment plaisir. Bien sûr, vous connaissez la chanson, si vous voulez voir d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner, et même rejoindre la chaîne, voilà, vous pouvez aller voir les avantages, comme je l'ai dit en début d'épisode, voilà, ça peut toujours être sympathique. À la limite, si vous voulez activer la cloche, sachez que de temps en temps, je fais des lives sur Evenia, voilà, malgré ma connexion incroyable, j'ai une nouvelle 4G maintenant, voilà, je suis passé chez Orange plutôt que chez Free, donc le débit est bien meilleur, et les lives sont stables. Enfin, moi, les amis, je vais vous laisser ici, et je vous retrouve dans une semaine si vous regardez les épisodes, ou bah je pense dans pas très longtemps après la sortie de cet épisode pour un live. Allez, sur ce les amis, salut à tous et à la prochaine.